Notre monde est constitué d'une grande variété Fable de choses. On peut le concevoir Il comme une, une fois une bon, petite ville, ville au cœur de, de l'Amérique. Donnez la de, de la voix. Les éditions Wild Project. Wild Project. Un rendez-vous proposé par la librairie La Carline. Le bois est plein de fantômes. On voit leurs ombres bossues, fatiguées par de trop longs portages, les jambes arquées par les journées de voyage en raquette. Les gens d'avant, sentant fort la sueur, la boucane et la graisse animale. Indiens, coureurs des bois, trafiquants de peau. Sauvages, ils l'étaient tous, même si tous n'étaient pas autochtones. Et ils étaient chez eux sur ce territoire qui eut bien des noms. Les îles l'appelaient notre terre, les premiers explorateurs blancs, royaume du Saguenay, l'administration moderne, territoire non organisé du lac Saint-Jean. Mais pour tous, depuis toujours, c'est le bois. On dit que l'histoire avec une lettre majuscule est écrite par les vainqueurs. Pourtant, les fantômes de Nita nous rappellent qu'ils ont existé et que l'on peut découvrir encore aujourd'hui leurs petites histoires dans les plis des textes des manuels scolaires. Il nous parle d'une époque où le temps se comptait en saisons et où les lieux n'avaient pas encore les noms qu'on leur connaît aujourd'hui ni les lieux ni les rivières, qui pourtant étaient là depuis le commencement. En ce temps là, les choses et les êtres avaient leur vrai nom, leur nom de naissance, et les gens qui peuplaient ces terres s'appelaient selon les époques Kakouchak, Indiens blancs, ilnuate, Métis, Canadiens français, coureurs des bois. Aujourd'hui encore, on peut entendre résonner sur Nitassinan les sons sourds de leurs tambours de peau. Lorsque ce territoire est devenu un pays, les Blancs qui le dirigeaient, ont eu pour ce peuple d'ombre le regard d'un père pour son enfant trop agité, tantôt protecteur à l'excès, tantôt trop sévère. Et jamais ils ne se sont demandé pourquoi ces enfants avaient l'air si vieux et si sales. Ils avaient déjà leur histoire, même si elle ne se couchait pas encore sur le papier. Elle était gravée dans les mémoires d'hommes, c'est tout. Pour les comprendre, vous devez savoir d'où ils venaient. Et comment ils sont devenus étrangers sur leur propre terre. Pour les connaître, vous devez savoir quelle était cette terre qui ne s'appelait pas encore la terre de Cain et qui était pour eux une terre d'abondance. Et entrez, à votre tour, dans le bois.